Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Brick, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année 2020. Et surtout, le plus important, c'est la santé. On se retrouve aujourd'hui sur Saint Seiya Awakening pour faire quelques poules avec le peu de gemmes que j'ai pour essayer d'avoir Poséidon, le premier SS du jeu. Enfin, pour l'instant, le premier. Alors, j'ai pas énormément de gemmes, j'en ai mis quelques-unes de côté, je dois avoir une trentaine je crois, donc je joue toujours en 100% free to play, donc collecter des gemmes c'est déjà plus compliqué. J'espère que sur ce tirage je vais avoir un petit peu plus de chance et je vais arriver à le drop. Sur la globale, je l'ai répété la dernière fois, j'ai vraiment pas de bol. J'espère que je vais arriver à dropper Poséidon dans le temps qui m'est imparti. En tout cas, au moins un S, ça ferait du bien. Donc on va commencer par des singles, étant donné que j'en ai 27, donc je peux pas faire 3 multi. Donc si jamais ça tombe dans les 7 que j'ai, tant mieux. Tant mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez droppé. Et si vous l'avez droppé, combien vous l'avez droppé. C'est toujours intéressant, ça permet de faire des petites moyennes de jeu. On va poser la question, je vais sûrement refaire des vidéos sur DB Legends. Ça fait un petit moment que j'ai pas miné. Alors j'ai suivi quand même malgré tout les news de DB Legends, comme je suis les news de Dokkan. Dokkan ça fait déjà un sacré moment que j'y joue plus. Sur les gacha games, faut pas se leurrer, ça prend énormément de temps, beaucoup plus de temps que d'autres jeux en fait, tout simplement. Surtout en plus qu'on joue en free-to-play, c'est-à-dire qu'on paye pas pour avancer plus rapidement ou pour faire des poules. Donc voilà, donc c'est tout de suite un petit peu plus long. Donc je vais refaire des vidéos sur DB Legends en tampon, parce que j'ai bien... Alors bon, du coup le jeu a quand même beaucoup changé depuis. Et je vais continuer des vidéos sur Saint Seiya, évidemment, et à suivre l'actualité de Saint-Cyr, parce que pour moi il reste, on va dire, l'un des gacha games les plus sympathiques, mais qui a le taux de drop le plus pourri. Mais ça c'est devenu une mode dans les gacha games. Je vais faire aussi quelques vidéos sur Black Desert Mobile aussi, pour essayer. Pour l'instant, pas grand chose. Pas de classe S, pas de Poséidon. Donc Black Desert Mobile, je vais faire aussi quelques vidéos dessus, quelques ou plusieurs, ça dépend si j'accroche bien au jeu. J'avais fait la vidéo de présentation sur la bêta, qui était d'ailleurs assez incroyable en termes de personnalisation, c'était assez génial. Donc bon, où nous en sommes. Donc là pour l'instant plein sur les SS, j'ai eu du kiki, mais bon c'est pas top top. Et pas de Poséidon. Donc là on va attaquer directement les multi, on va pas faire une vidéo de 35 minutes. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez eu, et encore une fois, à combien vous l'avez eu. On va faire la multi. Vu que je l'ai un peu de poule, ça serait cool. Ayola du lion, pas mal, bon je l'avais déjà. Donc récupère des éclats. On va se vanter. Recevoir les gemmes, faut le faire une fois par semaine. Bon, j'ai eu Ayola, ce qui me permettrait de l'augmenter. On va la dernière multi. J'ai vraiment pas de bol, c'est incroyable. Bon, je tire au hasard. Il n'y a pas de lieu bien particulier. Bon, en tout cas, j'ai eu un S. C'est pas forcément le S que j'attendais. Bon, pour cette nouvelle année, ça continue dans la même lignée que 2019. J'ai pas de chance. Bon, après, j'ai fait que 28 poules. 28 poules, c'est déjà pas mal.
Bon, on va essayer de farmer, on va continuer à farmer pour obtenir le maximum de cristaux et acheter des nouvelles gemmes. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu Poséidon. En tout cas, j'espère que vous l'avez eu, car bah, c'est le tout premier SS du jeu. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand je vais diffuser la vidéo, mais en tout cas, elle sera en ligne bientôt. Allez, ciao.